Alors, quand on commence ici en 2018, il n'y avait strictement rien. Il n'y avait pas de bâtiment, il n'y avait pas de puits. Et je témoigne. Il n'y avait rien. Je suis venue. Voilà. C'est vraiment grâce un peu à la persévérance des uns et des autres quand des choses commencent à sortir de terre. Et on peut voir que les arbres vont très bien. Ah, voici notre héros, le héros du Sahel. D'abord. Mamadou, il est là. C'est lui qui s'occupe donc de tous les plans depuis au moins 3 ans, 3 ans et demi. Ah, bravo. Donc, Biophilia Cosène, c'est lui qui coordonne tout ça. Qui va en Mauritanie, qui va donc dans les autres villages. Il est présent sur le site tous les jours de la semaine, y compris donc les week-ends, hein, tout le temps. Et les 57 puits des villages que tu soutiens, c'est lui C'est qui les lui réalise. qui va là. Il y a des villages où on a réalisé des puits, moi j'ai jamais été. Alors, je vais traduire ça. Alors, on va prendre nos mains et prier parce que tout est dans l'invention. Le bon Dieu, il est plus grand que les étoiles, il est plus grand que la terre, il est plus grand que tout ce qu'on peut imaginer. Le bon Dieu, il loge dans les cœurs. Quand les intentions sont vraies et sincères, il faut savoir que Dieu est présent dans ces intentions. Nous partageons cette intention commune, que puisse Allah nous venir tous en aide. Aussi, cette journée qu'on va passer ensemble, que fasse tâche d'huile, que vous reveniez encore plusieurs fois pour que ça se développe dans toute la région. C'est là que je suis née, au Sénégal, à Dakar. Mais je vis aussi je voyage beaucoup dans le Sénégal pour les projets. Donc, j'habite à Dakar, j'habite à Mbour, j'habite en Casamance et maintenant j'habite à Dakar. Chez les enseignants, il y a un proverbe qu'on dit toujours. On dit ce qu'ils font, ils font. Les autres,
Depuis ce jour, je me suis promis de ne jamais enseigner quelque chose que je n'avais pas fait d'abord. Alors aujourd'hui, nous allons nous enseigner autour. On a choisi Adam, on aurait pu choisir un autre arbre. C'est le mot Adam. Il est temps de regarder déjà avec votre propre ressource, ma propre ressource naturelle, ce qui pousse déjà là, qui pousse tout seul. On a dit que c'était facile, tout à l'heure on a dit c'est facile. Il est temps que ça ne soit pas un projet de quelqu'un qui vient vous donner. Les semences là, vous avez vos moringas. Tous les jours vous allez avoir des semences et tous les jours vous pouvez planter du moringa et tous les jours il va pousser tout seul. Vous n'avez besoin de personne pour faire le moringa, vous avez juste besoin que les gens vous achètent votre moringa. Alors, je vais répondre aux chiffres en moringa. 5,5 milliards de dollars en 2019, le marché de moringa, exclusivement au bénéfice de l'Inde et de la Chine, zéro presque pour la vie de l'homme. Les enfants peuvent mettre la graine, ça va pousser. Vous allez couper une tige de moringa, de l'arbre, vous allez le mettre comme ça, il va pousser. C'est pour ça qu'on dit des médailles. Sur un hectare, on peut en mettre 10 000. C'est ça ma relation avec le moringa. C'est que j'en ai fait un arbre maître. Grand merci du fond du cœur. Je ne dis pas par protocole, mais c'est pour véritablement c'est quelque chose que je ressens dans mon cœur, je le dis très franchement. Parce que depuis qu'on a commencé à travailler ensemble, notamment avec la pépinière, c'est bien plus que des arbres que nous distribuons. Parce que nous créons des liens avec les communautés d'ici, nous créons des liens avec les communautés de Mauritanie. Et nous développons également, nous assurons aussi la promotion donc, des connaissances locales, parce que des moments comme ça, c'est beaucoup de partage dans tous les sens. Donc, vraiment, c'est un grand merci du fond du cœur, parce que parmi les réalisations, il y a ce qui est visible, il y a ce qui n'est pas visible, mais nous sommes en train vraiment de créer des liens au-delà de la frontière, pour rendre ce pôle des éco-villages visible et viable. Et nous y croyons fermement. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à partager. Et mon ami et mon frère Alili, qui est donc de l'autre côté du fleuve aussi, a fait un travail formidable. Et tout cela, ça permet, par-delà le fleuve, donc de tisser des relations solides qui vont, je suis sûr et certain, dans la prochaine. Décédé donc dans la vie, dans les années à venir, faire une grande différence. Alors, on est tous des rêveurs, on a tous les poussées dans nos manches pour travailler et nous sommes confiants ensemble que nous allons y parvenir. Donc, sur ce, vraiment, je vous remercie aussi pour la générosité, pour le partage et nous restons convaincus que là, c'est le début de notre aventure commune ensemble. Et que nous irons nécessairement faire des combats ensemble. Merci aussi. Thank you.
L'action de la communauté et l'action de l'État public. Oui. C'est une la voie des gens. De 328. Il est classé en juin, fin 46. Voilà. Là, habiter les éleveurs. Les éleveurs. Là, c'est une maison de pêcheurs. Là, c'était la maison de mon père. Et tout autour de Valère, c'est les habitations des agriculteurs. Tout le monde voulait vivre à côté de nous. La sécurité, les gens vivaient en troc. Chacun utilisait son produit pour avoir le produit de l'os. On faisait le troc, on était en paix, c'était un peu du paradis. Chacun, je dis, voulait vivre à côté de l'autre. Là, c'est l'espace des gens, c'est là où je vais les gens. Parfois, les jeunes venaient du village parce que c'était animé. Parfois, ils venaient, je vais ici avec nous. Mais depuis qu'il y a eu les grands sécheresses, les gens se sont séparés. Il y en a qui sont partis vers les grandes villes. On a tout changé, on a changé de mode de vie, on a changé, même la culture a été dégradée. La progression de la sécheresse. On a vu les choses dégradées. On a vu que les animaux sont devenus moins importants. La pêche est plus productive. Tout ça, la cause, parce que là, il y a une cause. Et on a passé la solution. Vous voici. Voilà. Et c'est dans vous avez reboisé, vous avez juste protégé les règles RNA. Voilà, ça, on avait d'abord, on a supplémenté un espace nu, il n'y a rien. On a clôturé. La roue, c'est naturel. Ça, c'était pour montrer que nous vivons dans la population. Mais si on laisse la nature, si elle est libre, elle est épargnée de la main de l'homme et des animaux, elle va se régénérer elle-même. Ça montre aussi que la grande muraille verte, tout le monde pourrait le faire. Voilà. Même à la petite échelle. Même à petite échelle. Voilà, nous on a anticipé avant même d'entendre la vidéo. D'entendre ce grand mot. Voilà. Donc on a expérimenté cet espace, ça a réussi en 98. Et donc on peut faire mieux. Donc après quelques années de sensibilisation, on a parvenu à convaincre la population que ça valait la peine. C'est une partie de nos champs. Profite de la gération. C'est la dernière fois qu'on a créé un grillage, on a tous les grillages. Donc, l'argent a été sécurisé, les enfants ont poussé la verrou. Il n'y a pas eu d'action de reforestation ici, que de la régénération naturelle. Oh, ouais. Tout le monde. Et aujourd'hui, à Louboud, on reçoit une délégation du RDS. Et à sa tête, M. Dr. Ousmane Ali Pompe. Je dis que le RDS, c'est un réseau transfrontalier. Bon, il y a 50 villages du côté sénégalais et 50 villages du côté mauritanien qui ont créé, qui sont constitués en seul pôle, n'est-ce pas, et qui visent ensemble la préservation de l'environnement. Donc, c'est le développement durable.
Je dis qu'en 2018, ce réseau a signé un protocole avec la commune de Gamadjessari, au niveau du Sénégal. Et en 2019, on a signé aussi le protocole avec la commune de Lamboussé, la commune d'Aïlopaké. Donc, si on dit Sindi Oredes, on parle de l'environnement. Si on parle de l'environnement, c'est tout le monde qui est concerné, que ce soit l'agriculteur, l'éleveur, l'artisan, l'artiste, tout le monde est concerné. Parce que tous vivent grâce à cet environnement. Et la principale chose qui est intéressante dans l'environnement, c'est la forêt. Donc on vit aujourd'hui pour la forêt et tout ce qui concerne la forêt. Et remercier vraiment le gouvernement de nous accueillir à travers le réseau des éco-villages du Sahel. Ça fait à peu près 20 ans que je travaille sur les notions d'éco-village. Et ça veut dire village écologique. Quand on est en voyage et du moment qu'on nogas, on a vraiment du gros qu'on fait avec l'éco-village. Du fait de cette spécialité, j'ai déjà pris des fonctions nationales pour les reconnaître et pour les labelliser. Quand on est au nom du Nane, on est directrice nationale avec l'éco-village, on a dit qu'on a dit qu'il y a un pour marquer l'éco-village et qu'est-ce qu'il y a d'un docteur de l'éco-village. Je suis repartie après avoir fait un tour dans les institutions que je comprends sur le plan national et je leur ai dit les éco-villages, ça n'existe pas. Aujourd'hui, je peux aller leur dire que je vous ai trouvé, on s'est trouvé, et que la démarche est la bonne. Oui, hande odo so rutisima to yimbe makko to yi wope wode mo andindu ben hande o yi eco village kadi ko ngondon to do mi kadi. La démarche est la bonne parce que elle fait appel aux racines ancestrales et c'est une valorisation d'abord de la culture. Oui, darne mon ne pied parce que on en ko ndiaron ko ndiaron ko e kadi tosano kadi ko affaire gandal tanirabe te odon dari hen kadi no moj darne mon ne pied. Et dans cette culture qui est, comme vous l'avez très justement dit, transfrontalière. Il n'y a pas de frontière à ça. Il y a d'abord ce qui relie l'Afrique entre elle, qui est l'esprit communautaire. Oui, Kadien Hunde, parce que en un joker en demande Kadien est chief, c'est surtout l'Afrique. Kadien Konyaren Konen, en dit Kadien Kérol Allah. Et en Jagundre Koemen, et en Jagundre Kadien Bandira Kadien Dorembaï, et Tuano. On connaît tous les limites parfois de l'influence communautaire aussi. Oui, Hatra Kadi, on a dit Gentle Kadi. Gentle Kadi, on a dit que c'était la gente d'Al. Donc le vrai défi, c'est d'être intercommunautaire. Kadi, Handi Odo Handi, Totoli Dendo, Saha on Oini Mous, Yaltin Dimentan Kakunde, Kuri de Kadi Nende, Dikundi. Et c'est ce que je vois ici, pas par ce qui est dit. Oui. Kadi tigri o yido buri kewde kadi o yodon jagundiri parce que wana ko hala ko hala tan onan o hundi ndewi toy gite makko dum kadi mo welti hen. Alors peut-être que on vient pas de la même ethnie, même si je suis né au Sénégal et que j'ai des origines ibadaï. Moi aussi je suis un peu entre vous. Je me mets au milieu. Oui, donc ni maraw leddi di yidani tan ko Sénégal naajo kono tanja makko di bande et tout ça et kono kan ko hande o yante mon hande o woni fond et dermo fond et dermo. Je
je crois vraiment qu'aujourd'hui, tout le monde le sait. Avant, on le disait, personne ne croyait. Mais aujourd'hui, tout le monde sait que, pardonnez-moi l'expression, c'est foutu partout dans le monde. Oui, hande do nyalawma hande aduno do dodindo aduno jibido aduno jibido donc adi won bimbe kala no ha woni leej wodani kono ko won ko yido dum kadi ne deji ki rokko ti. Alors avant il y avait, quand on parlait de développement, on disait il y a les pays qui sont sous-développés et il y a les pays qui sont développés. C'est comme ça qu'on a pensé jusqu'à 2024. Oui, yimbe ben den kala hala fere sen kala hala bantar. Mbiyata ko leyɗele ɓamtiɗe e leyɗele ɗe cuwa ɓamtade so ha 2004 aduno kadi ko noon tan miijoto. Aujourd'hui, même ceux qui ne savent qui n'est pas la radio savent que développer ce n'est pas ce qu'on dit et sous-développer ce n'est pas ce qu'on dit. Oui, hayɓe keɗata ko radio ji hannde ɗe gandi ko wiyete koko ɓamtade ɗum wona woni wona ɗum no woni ɓamtade ko wiyete ko kadi wona ɓamtade ena gat kadi taw nandade meɗe ɗum noon taw. Donc c'est comme si les deux rôles s'étaient renversés. Non, hande joni aduno joni way kono ko wierno ko tout dé ko hande huni de ko waxli. Les anciens développés n'ont plus de terre, ils n'ont plus de céréales, ils n'ont que des arbres. Oui, ko wierno be ko hande ngala ko nyaami ngala li ngala haydar depuis tan hande ko plus la jikap. Et vous avez tout le raison. Aussi dit bon on on jogi dum non on ngala ka. Et le continent est beaucoup plus grand qu'on le croit. Afrique, continent où le monde est devenu multiculturel. Et il nous reste la culture. Et on ne dit pas finalement. Et la foi. On ne dit pas dit pour une fois qu'on ne dit pas. Bon, 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 de vous pour manger. Kadi ko ko be nyamar ko en hen hunde kadi do umro. Si ils viennent ici s'occuper de vos projets, c'est pour manger. Oui, ça ben gari do avec kala ka na re projet di modon et tout ça là ben na re na be kala no wona gel. Ka be jir de jir hon ko do no be ngordi. Je propose qu'on monte à partir de nos racines africaines nos propres projets. Oui, kanko no yiri ni de bamtarde. Ko jigi den ko patenen hakile. Baɗum yeyde mbawi ɗum kuytorade wawa jibinani men ɗum ɗo nabe ngabiren ɗon fayen dow ɓuuri ko ɓe ko ɓe ngarat ko ene mbiya ne junnete meɗen ene kadi ene punti men hen. Alors aujourd'hui pour aussi honorer parce que c'est un honneur pour nous tous d'être ici. Peut-être que les membres pourront prendre la parole, mais c'est que je sais que c'est vraiment un honneur pour nous. Merci. Oui, professeur Pam, parce qu'il ne dit pas qu'il est professeur. Je n'ai pas entendu en Paul Toulouse qu'il est professeur. Les modestes. Oui, on a écouté tout le monde, le Mapuro. Il a dit que les délégations arrivent, vraiment, pour les gens qui ont été invités. Je demande, parce que j'ai entendu qu'il fait quoi ici, et donc peut-être qu'en premier acte, si vous avez vos artisanats, si vous avez des choses que vous produisez, j'ai vu qu'il y avait des banques de céréales, peut-être que symboliquement, on pourrait faire des achats comme un petit rituel de troc avec des choses que nous pourrions emporter avec nous. So tawi kadi onon ƴeewɓe ɓe e tout ça là jogiɓe gueɗe ganduɗa hoorema ɓe oɗo mbawi ɗude hollitden ene gasa kadi maɗo goɗɗo ko jogiten cooditen ene gasa kadi gongol kadi saha goɗɗo taw kadi ene mbawi duwde oɗo mbawi wosodirde kadi ko yeewi. En tout cas, je foule le pied de la Mauritanie pour la première fois et je ne pouvais pas mieux. Ah oui, quand on est Mauritanie, on a le beau à la Mauritanie. Donc aujourd'hui, je tenais encore une fois à vous féliciter le village. J'espère qu'il va vraiment servir d'exemple pour l'ensemble de la Mauritanie et d'autres villages dans le nord du Sénégal parce que c'est une impulsion communautaire qui a permis d'arriver à cela.
pendant le ramadan, on mange beaucoup de dattes. Oui. Et chez moi, parce qu'on dit, ouais, il faut manger 3, manger 5, 7, des impairs. Moi, je ne compte pas. Je mange jusqu'à, parce que ça fait partie de mes arbres préférés. Il n'y a pas de rituel particulier. Et on rassemble donc toutes ces graines-là. Voilà. Et c'est ça qu'on retrouve ici. Donc, les dattiers qui sont là. Parce que, oui, il faut manger des impairs là. Moi, ça me fatigue là. Je mange. Quand j'en ai terminé, je garde mes graines et je les amène ici.